Recording in progress. One minute. Please. Fine. Huh?
Bonjour Patricia, Soundcheck in French, enfin en français. Est-ce que tu m'entends, Michael? Est-ce que tu trouves que on m'entend bien? Super. Le tour de Zaodo. Bonjour, hello. Quoi? Hello. Zaodouf, une French booze. OK. Bienvenue à la session sur les réseaux des politiques, sur l'accès significatif, un travail d'une année que nous avons commencé depuis la fin de l'hiver précédent. Nous sommes ici pour voir ce qui a été réalisé durant les 12 mois écoulés et partager où nous en sommes. L'accès significatif résulte du grand nombre de preuves données probantes du fait que lorsque les personnes sont consectées, ils n'en servent pas de manière appropriée ou ils n'utilisent pas pour leurs propres moyens, mais l'utilisent en tant que consommateurs. L'accès significatif signifie qu'ils l'utilisent en tant qu'outil pour la communauté à laquelle ils appartiennent. Durant les passés, le PNMA a créé un réseau d'experts que nous appelons le groupe de travail multi-parties prenantes, établissant des liens avec les discussions encore en cours dans d'autres forums. Vous savez que c'est un thème qui est discuté dans beaucoup d'autres endroits. En vue d'atteindre les impacts attendus en 2022, le réseau de politique a privilégié sur un plan de travail qui se connecte avec le cadre futur du nouvel IGF, tel qu'il prend forme dans les salles à côté. Donc, cette session aujourd'hui abordera les bonnes pratiques sur quatre filières de travail thématiques. D'abord, la connectivité que vous avez entendue dans plusieurs forums, même ce matin,
Il y avait une qui portait sur la connectivité en Afrique. D'autres intervenants ici l'ont mentionné. Deuxièmement, il y a l'inclusion numérique, qui est très importante, aussi importante que la connectivité. C'est une approche des citoyens, c'est-à-dire l'accessibilité, le multilinguisme, les contenus en langue locale. Nous avons des exemples ici, en se fondant sur les besoins, les ressources locales. Ensuite, le troisième pilier, renforcement de capacités, formation de compétences techniques. Il y a des personnes ici également qui sont des personnes ressources et qui peuvent aider. Djangwe Massone, co-présidente du réseau de politique, avec Sonia, qui est en ligne quelque part. Je ne peux pas le voir maintenant. Je suis ici. Bonjour. Nous avons Daphne, qui est la personne qui nous aide dans ce travail. Elle travaille beaucoup. Et elle est tombée malade maintenant et aujourd'hui elle n'a pas pu être des nôtres. J'espère qu'elle va se rétablir sous peu. Sans perdre plus de temps, je pense que nous pouvons commencer par la vidéo. Un panéliste qui était censé être des nôtres aujourd'hui. Pouvons-nous voir la vidéo, s'il vous plaît? Vous pouvez jouer la vidéo, s'il vous plaît. Nous n'avons pas d'audio. Nous n'avons pas de son. Pas de son. Excusez-nous, le son est à peine audible. Les interprètes ne reçoivent pas le son. Le son est à peine audible. Ceci exige une coopération internationale. Nous avons des mécanismes tels que le traité d'assistance juridique mutuelle, mais ils sont connus pour être lents. Dans un environnement Internet en ligne, la lenteur n'est pas une amie, donc il faut améliorer la capacité des pays à coopérer entre eux et franchement pour que les pays et les secteurs privés travaillent ensemble pour rendre l'Internet un endroit sûr pour tout le monde. Ceci est nécessaire parce que le secteur civil, souvent, a plus de ressources investies dans l'Internet par rapport à d'autres pays. Donc, il y a beaucoup de raisons qui nous occupent durant les réunions d'IGF qui ont lieu à Addis Ababa. Mais dans ce cas particulier, vous gardez en tête la redevabilité alors que vous réfléchissez à des remèdes possibles pour améliorer l'environnement de l'Internet. Merci. M'avoir écouté. Bonjour, je m'appelle Vince Cerf, je suis vice-président et défenseur de l'Internet en chef.
Le fait d'être ici durant les derniers jours est clair que tout le monde veut un Internet plus sûr. Il y a d'innombrables incitations à cela. La raison, c'est comment se faire à une plus grande échelle, de telle manière que vous allez atteindre la sécurité efficace pour tout le monde. Nous avons également des problèmes. Il y a beaucoup de mesures incitatives, mais il faut savoir comment arriver à la solution. J'espère que d'ici la fin de la semaine, nous aurons un moyen à faire fonctionner les choses. Il semble que les deux intervenants sont d'accord entre eux. Roberto, vous nous êtes en ligne. Pouvez-vous passer la parole à Sonia? Oui. Accorde-lui le droit de parler. Oui, je suis ici. Bonjour tout le monde. Pouvez-vous m'entendre? Roberto, Giacomo. Oui, nous pouvons vous entendre. Excellent. Donc, soyez les bienvenus toutes et tous à nos sessions du réseau de politique sur l'accès significatif. Je suis ravi d'être ici avec vous toutes et tous. Nous voyons tant de partenaires et d'amis qui nous rejoignent en tant qu'intervenants en présent. De plus et qui soutiennent également, ils sont intéressés dans notre mission en tant que réseau. Merci de m'accorder quelques minutes et je passe la parole à Giacomo pour s'acquitter de la modération sur place. Merci de nous soutenir tous ici. Tous nos intervenants, nos orateurs sont tous ici, y compris Sophie. Bonjour Sophie, donc nous sommes prêts à participer en ligne dès que vous nous donnez le feu vert. Soyez les bienvenus toutes et tous, je suis ravi d'être ici. Merci Sonia. Je vais présenter brièvement les orateurs. La première sera Sophie, parce qu'elle devra nous quitter pour d'autres engagements. Il y a un orateur que je ne vais pas introduire parce que vous le connaissez déjà. À ma gauche, vous avez... C'était la liste précédente, vous ne figuriez pas. Donc, ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tigist, je suis la PDG de Habesha View, qui est une plateforme qui travaille avec les créateurs de contenu local en Éthiopie. Et maintenant également au niveau de l'Afrique, je viens du secteur privé. Évidemment, la sécurité de l'Internet est très importante pour l'entreprise où je travaille. Je suis né ici, je suis... quelqu'un de temps. Je suis content de faire partie de ce panel. Merci de m'avoir invité. À ma droite, il y a Margaret Ndungu et Onika Makwakwa. J'espère ne vous tromper en prononçant votre nom. Nous avons également Ansolette, Roberta qui nous aide et qui nous aide en tant que volontaire de dernière minute. Comme chaque fois en ligne, nous avons Sophie Martens de l'UIT. Faites-nous signe, nous pouvons vous voir très bien. Et nous avons également Chris Ayeki. Nous sommes tous ici et nous pouvons commencer. Dans l'introduction de Vink, nous avons vu quels étaient les défis auxquels nous sommes confrontés. Dans la participation multipartite panel, ce sont des préoccupations qui sont partagées par tous les groupes demandants. Et nous sommes à un niveau de conscience, de prise en compte de l'importance de l'Internet pour tout le monde. Comme cela a été répété par M. Guterres dans les objectifs de développement durable. L'IGF va faire des contributions au pacte numérique mondial. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le réseau des politiques travaille à l'identification d'études de cas collectées au sein de toutes les communautés. Et merci pour ceux qui ont envoyé. C'était un travail qui était censé être achevé il y a quelques semaines, mais en réalité, nous continuons à découvrir de nouveaux cas. Par exemple, celui-ci vient d'arriver juste hier.
qui sont significatives, qui peuvent être produites, ce qui est toujours bien pour nous. Ce matin, par exemple, il y a eu la présentation d'initiative ICANN de l'Afrique numérique qui vient d'être lancée, qui n'était pas publique jusqu'à nous arrivions ici. Donc, c'est important également de les écouter. Parmi les cas que vous allez trouver dans le rapport qui sera publié par le réseau des politiques à la fin de l'IGF dans les prochains jours et qui sera mis à disposition, vous trouverez beaucoup de cas semblables. Aujourd'hui, dans la session, nous voulons privilégier quelques-uns de ces cas. La question posée aux tous les intervenants, la première question, en se fondant sur vos expériences que vous amenez à notre attention, pouvez-vous expliquer pourquoi vous faites l'argument pour dire que ce sont des cas intéressants, comment ils peuvent contribuer à résoudre le problème de l'accès significatif. Question suivante, qui sera posée dans la deuxième liste, comment cela pourrait être produit? Un cas en Afrique ne pourra pas être nécessairement reproduit ailleurs, ou il sera reproduit avec un certain nombre de réserves. Je passe la parole à Sophie Mardens parce que l'UIT a été parmi les principaux contributeurs à cet échange d'idées et ils ont soumis 3 cas. Sophie a plus d'informations, donc je lui passe la parole. Bonjour Giacomo, Sonia, chers panélistes. C'est un plaisir pour moi de vous joindre. J'aurais bien aimé être à 10 avec vous. On a contribué nos travaux sur le développement de la plateforme de cartographie numérique pour aider à identifier visuellement les lacunes d'Internet. Et on a notre boîte à outils du dernier kilomètre de l'internetivité avec des solutions réglementaires pour l'abordabilité et l'accessibilité, avec les services de connectivité pertinents et l'expérience de gestion pour un développement social-économique durable, y compris la conception d'un système de fréquence. Comme vous le savez, Giacomo, ayant participé dans votre symposium global pour les régulateurs, réaliser cette connectivité significative et la transformation numérique durable pour faire en sorte, comme Vince l'a dit, pour que tout le monde soit en ligne de manière sûre, il faut également examiner nos outils, nos produits qui se rapportent à la réglementation numérique pour que nos plateformes, nos produits, nos travaux continuent à identifier les pratiques et les tendances réglementaires par le biais de nos plateformes, produits et services tels que le symposium global pour les régulateurs, ainsi que le manuel, la plateforme, la formation de réglementation, ainsi que bien sûr les données pour la prise de décision. Elles incluent la référence GMAC, le laboratoire des TIC et nos modèles. Nous savons tous que les régulateurs et les décideurs de politique font face à un certain nombre de problèmes qui sont liés à la thématique de ce panel que je vais résumer comme adoption, accès, création de valeur. L'accès, c'est de créer l'environnement propice en termes d'environnement gouvernemental, technologique pour tout le monde et pour que tout soit connecté. L'adoption, c'est pour faire en sorte que tout le monde est autonomisé à utiliser le numérique qui est abordable. Création de valeur, c'est permettre à tout le monde à pouvoir contribuer pour tirer profit des avantages. Donc, il faut avoir ces stratégies d'outils pour qu'elles soient durables. Pour cela, il faut suivre des principes directeurs qui sont réalisables et durables. J'ai mentionné le travail que nous avons contribué ainsi que notre travail sur la réglementation Internet. Je vais me concentrer sur un aspect particulier. Dans cette transformation numérique, nos régulateurs et nos décideurs politiques, toutes nos parties prenantes, ajustent les moyens de se connecter avec nos homologues à travers les secteurs économiques et les utilisateurs finaux. Notre travail de développement des réglementations
pour que le gouvernement tire parti de la transformation technologique comme moteur de la croissance. Pour la durabilité, il faut être souple et flexible. Il faut être collaboratif, coopératif, basé sur le terrain, inclusif, innovant et ouvert d'esprit. Je sais que GF, ceci est l'un des modèles, un des processus, un principe dans lequel nous avons beaucoup de confiance. Il y a les outils réglementaires, les procédures pour promouvoir cet engagement d'une vaste gamme de parties prenantes dans ces approches collaboratives à travers les secteurs et pour promouvoir ces processus de prise de décision et d'élaboration de règles inclusives. Ce sont les éléments dans les travaux soumis à vous, y compris la cartographie, l'outil de spectre, la collectivité du dernier kilomètre et quels sont les coûts pour faire participer les autres. Nous pensons que les règles et les décisions doivent être fondées sur les données actuelles dans le marché. Les processus outils doivent être adaptés pour créer cette dynamique pour l'investissement, pour l'innovation et l'inclusion. Alors que les règles basiques s'appliquent, il faut les utiliser de manière réfléchie. Le travail des régulateurs et des données des décideurs politiques requiert une nouvelle réflexion pour créer cet environnement propice pour pouvoir attirer les investissements, assurer l'accès pour tous et tout ceci d'une manière sûre et avisée. Je serai là pour la deuxième liste de questions parce que je dois passer au groupe d'études. Je suis la personne focale sur la protection de consommation. La session commence dans 20 minutes, mais c'était sûrement un honneur d'être des vôtres. Pas de problème. Merci pour votre contribution. Restez avec nous jusqu'où vous le pouvez. Entre-temps, Sonia et Roberto vont m'avertir et on donnera la parole aux autres pour la discussion. Carlos est-il parmi nous? Oui, il est là. Giacomo, bonjour. Un avertissement avant de passer la parole. Ne vous basez pas sur ce qu'a fait Sophie. Elle a utilisé plus de minutes parce qu'elle ne sera pas avec nous toute la durée de la session. La règle des 5 minutes s'applique désormais. Merci de m'avoir accordé cette opportunité pour être ici. Également pour présider le réseau des politiques sur l'accès significatif. Avec nos partenaires Isomatica, nous avons soumis plusieurs études de cas avec un travail avec plusieurs partenaires dans le sud global. Je suis ici pour amplifier, pour annoncer le travail. Je soutiens beaucoup de personnes sur le terrain, beaucoup d'organisations qui sont sur le terrain, faisant le travail auprès des communautés. C'est l'essence essentielle des contributions des études de cas soumises. Il y a beaucoup de communautés, comme l'a dit Sophie, qui ne trouvent pas de valeur dans l'Internet commercial tel que nous le connaissons. Ils estiment que leurs besoins de communication ne sont pas pris en compte par cet Internet en raison du coût, à cause de la langue, à cause du format dans lequel la communication est traitée. Ils ne trouvent pas que ceci n'est pas sûr. Vince l'a dit déjà, mais il faut que ce soit sûr d'une manière différente. C'est là où intervient l'aspect de significatif. Il y a les intérêts commerciaux qui mettent en danger notre cas. Nous travaillons beaucoup de communautés autochtones qui menacent les traditions, leur culture, leur langue, ainsi de suite. Ils prennent leur communication entre leurs propres mains pour repenser à des alternatives pour ne pas placer en risque leur mode de vie. Pourquoi? En même temps, ils optimisent les avantages de l'infrastructure de communication. Un exemple qui est souligné dans le rapport est celui de l'Inde. Ils placent beaucoup de leurs efforts sur le plan technique. Dans un web contextualisé, vous pouvez en lire davantage dans le rapport, rendant les contenus appropriés et abordables aux personnes analphabètes, ce qui est important. La gestion du réseau nous accorde cette autonomie
dans les droits de communication, et c'est là où les contributions entrent en jeu, celles qui figurent dans le rapport. Cette communauté établie en 2012 d'un exercice au Mexique avec ceux qui travaillent avec les communautés se sont rendus compte que les stratégies pédagogiques qui étaient exigées pour ces communautés doivent être repensées et centrées autour du fait de la promotion des droits de ces communautés. Donc les réunions des communautés de par le monde prouvent cette situation, quelles étaient les conditions. Si l'Internet commercial tenait compte de ses besoins, les gens n'auraient pas rassemblé leurs efforts, mis leur temps pour créer ces natives, pour trouver des voies complémentaires d'utilisation de l'Internet. Une condition, ce sont les besoins. Ceci s'avère être un grand besoin de beaucoup de communautés dans le monde. Un autre aspect, c'est la contextualisation. Dans la soumission du Mexique, il est reconnu que ce qu'ils ont fait ne peut pas être reproduit complètement parce que les processus éducatifs doivent être contextualisés. Mais une méthodologie a été créée. C'est le fondement pour le développement d'autres réseaux de communautés créés l'année dernière que nous soutenons en Afrique du Sud, au Brésil, au Kenya, au Nigeria, en Indonésie. Je vais placer le lien dans la messagerie. Ce serait très utile, merci. Une fois que les choses sont contextualisées dans les pays et au sein des pays, à l'intérieur des pays, ces réseaux ont des comités de pilotage. Ceux qui participent dans les écoles contextualisent davantage en profondeur à la situation de leur contexte local. Ces trois niveaux de contextualisation constituent une condition fondamentale. Merci beaucoup. Je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup d'exemples intéressants. Les deux que vous avez mentionnés sont assez surprenants. Veuillez lire le rapport qui est en avant-projet pour le moment, mais les cas sont inclus. Il y a des liens qui sont intéressants. Vous avez mentionné, Carlos, les réseaux de communautés. L'intervenant, l'orateur suivant, pourra nous dire quelque chose à ce sujet, venant de la Gambie. Oui, merci. Une des choses les plus importantes en se penchant sur la question de l'accès significatif, c'est comment vous faites participer les parties prenantes pertinentes. Ici, nous entendons le fait d'avoir le secteur des télécommunications qui participe plus directement avec le ministère des communications, de l'économie rurale. Certains pays ont le ministère des Finances en charge de la politique de l'accès universel. Si je dois le contextualiser, dans le cadre de Gambie, où nous avons 5 dollars qui coûtent pour 1 gigabit de données mobiles, donc pour la personne ordinaire au village, qui gagne 1 dollar par jour, donc je placerai l'accent sur l'accès. L'intéressant, c'est que les taxes sont élevées sur les compagnies de télécommunications parce que c'est la nouvelle vache à lait des gouvernements. Elles paient beaucoup de taxes dans beaucoup de pays africains. Donc dans les communautés rurales, pour l'accès significatif, ces compagnies de télécommunications doivent avoir une exonération de taxes parce que la plupart des compagnies de télécommunications comme Ghana, ils vous disent comment, pourquoi établir un tour dans un village qui n'a que quelques centaines de personnes. En même temps, vous avez un centre hospitalier, une école primaire et 10 km plus loin, vous avez une école qui sert du village. Pour eux, ce n'est pas rentable. Donc, la seule manière dont ce problème sera résolu, c'est que les compagnies de télécommunications obtiennent des exonérations d'impôts et se réunissant avec les sociétés civiles, comme nous faisons à Banjul, où nous mettons en place des centres communautaires, les coûts vont baisser. C'est un modèle qui pourra marcher parce que beaucoup de pays disposent des câbles.
dans le cas de la Colombie. Nous avons un deuxième câble sous-marin, on n'en avait qu'un. Nous avons un câble sous-marin allant de l'Afrique en Europe. Donc avoir le câble sous-marin ne suffit pas parce que, au bout du compte, beaucoup de personnes pour l'accès aux large bandes devient coûteux et beaucoup de personnes dépendent sur les données mobiles. Raison pour laquelle ce qu'a dit Sophie me plaît. Donc avoir un processus multipartite, comme tel est le cas de l'IGF, fonctionnera pour avoir l'accès significatif. Il faut que tous les acteurs fassent ce qu'ils sont censés faire. On ne peut pas donner une exemption au gouvernement. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour ces réflexions très utiles et très intéressantes. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu 3 cas de connectivité, mais disons-le, dans la réalité, il y a un lien intime avec le reste, avec le renforcement des capacités, avec l'inclusion. Maintenant, pour parler de cette question du renforcement des capacités, je pense que ma voisine va pouvoir vous en parler. Merci Giacomo et bonjour à toutes et à tous. Merci de suivre cette session. Je vais évoquer avec vous le projet PRIDA sur lequel je travaille depuis ces 3 dernières années. Je vais vous parler de PRIDA. Alors, c'est une initiative conjointe entre l'Union africaine, l'Union européenne et l'Union internationale des télécommunications. Ce que nous faisons, c'est que nous visons à 3 objectifs par 3 manières différentes. Donc, d'abord, avoir diverses dimensions de la demande et de l'offre de la bande passante en Afrique. Nous devons aussi harmoniser les cadres politiques, juridiques et réglementaires mesurables sur les télécommunications et l'éthique en Afrique. Et nous devons faire cela par rapport à chaque contexte et donc adapter chacun de ces cadres. Dernier point, celui pour lequel je suis là, il s'agit de rationaliser les structures et processus et de renforcer les capacités. Alors, pourquoi utilisons-nous PRIDA dans ce cas? Eh bien, en 2018, il y a eu une déclaration de l'Union africaine sur la gouvernance de l'Internet et le développement de l'économie numérique de l'Afrique. Nous voyons bien qu'en tant que continent, nous ne sommes pas là. Nous voyons bien qu'il y a des discussions au niveau régional et international et nous devons y être. Ainsi, nous engageons à débattre au niveau national, régional, continental et international en termes de politique d'Internet. Nous nous basons sur un processus multipartite, sur les principes donc être ouvert, accessible, résilient et avec un Internet interopérable. Nous faisons cela en nous assurant que nous soutenons les écoles à tous les niveaux. Et il s'agit de régler les problèmes transversaux. Donc, nous avons un processus que nous avons développé en 2019 avec 2 points, dont un sur le renforcement des capacités. Donc, sur le renforcement des capacités, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons réalisé en 2020 qu'il fallait renforcer les capacités et nous avons créé un programme pour cela. Nous essayons également de contextualiser cela au niveau local. Une fois que nous avons ce programme, nous nous assurons que nous pouvons le mettre en place sur une période de 5 jours et nous faisons en sorte de faire cela sur 5 jours. Nous faisons cela avec 17 pays. Notre modèle s'adresse aux 55 États membres de l'UA, dont 33 n'avaient aucune structure ou aucun processus de gouvernance de l'Internet jusqu'à ce jour.
Ce sont donc les pays que les 17 pays restants, ce sont les 17 pays que nous soutenons à ce jour. Il nous en reste encore 3. Et d'ici janvier 2023, nous nous serons intéressés donc à tous ces pays, avec notamment le renforcement des capacités. Alors, ce programme est disponible en français, en anglais et en portugais. Nous faisons cela avec donc la gouvernance de l'Internet en Afrique centrale et dans d'autres régions. Donc, nous travaillons avec différentes régions pour nous assurer que nous nous adaptons à chaque contexte. Nous nous assurons que tout le monde est inclus. Une fois de plus, qu'est-ce que nous faisons? Nous utilisons nos experts locaux que nous avons formés sur le continent à être des facilitateurs afin qu'ils comprennent du point de vue politique, que nous pouvons discuter. Nous avons des experts, où que ce soit en Afrique, pour parler de tel ou tel enjeu. Nous travaillons aussi avec les ministères d'éthique afin de garantir que le gouvernement est impliqué, parce que toute l'idée ici, ce n'est pas seulement de renforcer les capacités, mais également de créer un environnement pluripartite ou multipartite. À ce jour, nous avons pu former plus de 1000 participants. Nous avons discuté de ce point. Maintenant, j'aimerais vous montrer cette diapo qui montre les résultats en termes d'égalité des genres. Vous savez que les femmes doivent être amenées davantage dans l'espace digital. Quand on s'intéresse, quand on essaye d'amener autant de femmes que possible, on n'arrive pas à 50-50. Cependant, vous voyez ici que les femmes terminent plus souvent ce travail, ce programme que les hommes. Donc, vous voyez, nous nous assurons que les femmes font cela jusqu'à la fin, qu'elles sont résilientes. Ça, c'est une bonne pratique. Et ici, c'est la dernière diapo. C'est grâce à notre approche continentale. Il s'est agi de contextualiser cela à tous les niveaux. La plupart des gens n'avaient jamais utilisé d'ordinateur, mais dans chaque pays, on les a réunis pour s'assurer de pouvoir faire cela, de pouvoir contextualiser le contexte, de pouvoir répondre aux problèmes spécifiques personnellement. On a eu aussi une approche de formation flexible. Donc, vous pouvez utiliser ce programme à votre vitesse. On s'est concentré aussi sur l'inclusion avec une parité 50-50 des sexes. Les jeunes également, sur lesquels on a mis l'accent, avec 50% de participants de moins de 30 ans, et sur l'aspect durable, car nous travaillons avec l'Université panafricaine afin de nous assurer que notre programme est bien intégré dans leur programme, dans une licence ou un master. Je vous remercie et je vous rends la parole, Giacomo. Merci beaucoup. Donc, nous avons parlé du renforcement des capacités. Comme vous l'avez vu, nous avons demandé à quelqu'un dans la salle de se préparer pour donner un exemple de l'Afrique numérique et donc du renforcement des capacités à cet égard. Il nous rejoindra d'ici un instant, mais je pense que maintenant nous allons accorder la parole à Onika, Onika Makwakwa, car elle va nous parler d'ailleurs d'inclusion digitale. Très bien, merci beaucoup. C'est toujours très intéressant de parler d'inclusion numérique après que quelqu'un a bien précisé à quel point c'est important. Donc, au moins, je n'aurai pas ce combat à mener. J'aimerais vous donner quelques exemples sur la manière dont on a utilisé le renforcement des capacités pour renforcer l'inclusion numérique. Mais tout d'abord, je voudrais faire un commentaire pour dire que c'est très important de s'assurer que l'espace numérique ne reproduit pas les inégalités entre les sexes qui existent dans nos sociétés. En effet, il s'agit de garantir que cela ne se produira pas, et ce n'est pas seulement parce qu'il s'agit de l'environnement numérique, mais on ne peut pas juste créer un nouvel environnement et ne pas se préoccuper de cela. On doit faire cela de manière vraiment volontaire, en s'assurant que cet espace numérique répondent à certains objectifs spécifiques grâce à certaines cibles. Et en effet, notre équipe, à cet effet, a développé un programme de généralisation
sur la politique de genre et de TIC afin de réellement faire de la formation pour les décideurs politiques, afin de les assister quant à la manière de généraliser la politique de genre et de TIC. Alors, je crois qu'on est tous d'accord ici pour dire que le genre doit être généralisé dans toutes les politiques. Et donc, avant même cela, c'est important de dire que une partie de cet élan pour travailler dans ce domaine et pour généraliser la politique de genre et de TIC, eh bien, est venu justement d'un sommet des femmes africaines, un sommet au Ghana auquel nous avons travaillé sur le recoupement entre technologie et genre, afin de répondre à l'écart numérique entre les sexes. Alors, en Afrique de l'Ouest, je peux vous donner deux exemples de formation. Donc, le Sénégal, avec un engagement de très haut niveau pour généraliser le genre dans la politique de bande passante. Donc là, il y a un objectif très clair de 33% de femmes dans la participation au service public et au e-commerce, notamment dans les zones rurales. Très important, et ils veulent également mettre en place un accès universel avec une politique sur l'accès, notamment en termes de généralisation de l'égalité des sexes, pour s'assurer que les femmes sont incluses. Parce que si on n'a pas d'objectif, eh bien on ne pourra pas mesurer les progrès que nous faisons vers ce but. En Afrique de l'Est et en Afrique australe, il y a eu donc un atelier qui s'est tenu conjointement, au lieu d'en avoir deux séparément. Il s'est tenu en Ouganda, où le régulateur s'est lancé dans un projet de recherche sur les données sur le genre pour répondre aux besoins de la formation. Parce que si on n'a pas ces données, si on n'a pas de données ventilées, eh bien on ne pourra pas comprendre où en sont les femmes dans tel ou tel pays, ni développer de politiques et de stratégies pour garantir leur inclusion. Alors, directement, en raison de ce projet spécifique, eh bien, l'Ouganda s'est donné un objectif et des cibles très spécifiques pour combler l'écart entre les sexes en la matière. Il s'agit d'inclure des sujets tels que des articles spécifiques pour les ménages les plus pauvres. Au Ghana, il y a eu un instrument créé pour répondre et généraliser les politiques de genre, et vous verrez que tout cela se fait du côté de la demande. Alors, la connectivité, c'est important, mais c'est aussi, tout aussi important de répondre aussi aux problèmes du côté de l'offre. Parce que pourquoi les femmes ne sont pas en ligne? Ce n'est pas seulement à cause de ce que j'ai cité, mais aussi en raison des compétences et de la sûreté, et des problèmes de sûreté et d'environnement qui existent dans nos environnements en ligne. Alors, nous nous intéressons à quelques recommandations politiques. Notamment, il est très important de tirer parti de l'USF afin de pouvoir explicitement répondre à l'écart donc numérique entre les sexes. Et donc, pour pouvoir soutenir la connectivité des femmes et en particulier répondre aux enjeux du côté de la demande, comme je l'ai mentionné, avec les compétences. Parce qu'on doit rester ouvert il faut faire en sorte que les processus politiques soient rendus publics par des consultations, que les femmes soient incluses dans les consultations et processus politiques, que nous soyons capables de comprendre exactement comment mettre en œuvre et travailler sur nos interventions pour leur bénéficier directement. Donc, j'aime bien utiliser ce slogan de « rien ne peut se faire pour nous sans nous ». Et en effet, il faut être inclusif, il faut trouver une manière d'impliquer les femmes et de leur dire qu'on ne va pas s'arrêter là avec des situations de centres numériques où les femmes ne viennent pas parce qu'il y a des problèmes de transport ou de sécurité.
Et donc, on doit les consulter à l'avance si on fait quelque chose comme ça. Alors, enfin, et non des moindres, on doit rester ouvert au fait de ne pas seulement avoir des technologies, des nouvelles technologies numériques, mais également utiliser les réseaux de la communauté pour être capable de faire le lien. Et nous devons commencer à avoir des modèles financiers différents, notamment la possibilité d'utiliser des fonds pour l'éducation des femmes. Merci, merci beaucoup. Et avant de passer la parole au prochain intervenant, j'aimerais demander à notre collègue ici présent donc, de nous en dire plus sur son projet de renforcement des capacités. Alors, nous n'en savons pas beaucoup plus que ça, mais vous avez la parole. Oui, en effet, ce n'est pas un projet de l'ICANN. C'est un projet avec de multiples partenaires comme l'UIT, par exemple. Nous avons cette coalition mondiale qui s'appelle Digital Africa, mais nous avons aussi une coalition mondiale avec différents projets. Il y a différents projets qui portent sur différentes activités de renforcement des capacités. Notamment, nous pouvons fournir une forme de soutien. Vous savez qu'ici, en Afrique, plusieurs pays ont encore du mal avec leurs activités. Et pour nous, c'est clair que nous devons développer cela. Alors, vous avez déjà identifié ces pays ou est-ce que c'est toujours un travail en cours? Nous avons déjà sélectionné 10 pays. Nous essayons de trouver un équilibre entre eux dans différentes situations. Donc, 10 pays. Vous voulez que je vous les cite? Oui, vous voyez, nous avons besoin de 3 pays pour rejoindre le projet PRIDA. Très bien. Alors, nous sommes dans cette phase, donc je crois que quand nous aurons ces 10 pays, nous pourrons avoir un groupe mondial à soutenir. Il s'agit de fournir un soutien au renforcement des capacités. Mais vous savez, on ne peut pas juste former n'importe qui. Ça ne va pas, ce ne sont pas forcément des gens qui vont rester dans l'organisation. Ils vont peut-être se lancer, lancer leur propre entreprise. Donc, c'est voilà, une approche holistique que nous devons adopter. Essayer d'avoir une perspective technique ou de capacité technique, les aider à développer leur entreprise. Qu'ils soient dans le marketing ou d'autres domaines. Alors, on fait cela avec différents partenaires pour le renforcement des capacités, le renforcement des capacités techniques, et nous avons d'autres collègues dans différents domaines. Donc, nous les formons dans le marketing, le développement de stratégies. Bien entendu, c'est une approche donc holistique, réaliste également. Nous prévoyons de travailler avec différentes parties prenantes au niveau légal et j'essaierai de répondre à toute question. Mais notre approche, c'est l'approche de l'ICANN et d'autres partenaires. On n'est pas là pour venir dans un pays et dire aux gens quoi faire. Nous, on vient avec une trousse à outils, une expérience, des connaissances, des meilleures pratiques également qu'on a obtenues dans d'autres pays d'Afrique et nous aidons les gens à développer leur propre stratégie. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. C'est donc sur inscription volontaire qu'on peut s'inscrire ou inscrire cela dans le rapport. Alors,
Vous avez une semaine pour nous faire part de cela pour qu'on l'inclue dans le rapport. Alors, merci beaucoup pour votre intervention. Je vois que... Je vois Roberto. Alors, Roberto, vous êtes l'un des membres de réseau qui, du réseau qui a contribué au travail, qui en arrive vraiment à son summum aujourd'hui. Alors, qu'avez-vous appris de la part des différents intervenants jusqu'à présent? Merci beaucoup. Eh bien, je pense que puisqu'il s'agit d'un nouveau format, je pense que c'est peut-être une évolution des meilleures pratiques que nous avions déjà, donc des forums de meilleures pratiques que nous avions déjà. Et donc, c'est l'histoire spécifique de ce réseau politique qui est basé sur une intention qu'on a eue il y a déjà 3 ans. Donc, je dirais que l'objectif principal, c'est de réunir toutes ces expériences, car c'est important de diffuser ce type d'expérience partout dans le monde, auprès de nos communautés, de nos pays, de nos communautés multipartites, pour apprendre de ces expériences. Et ce que nous avons fait l'année dernière, c'est que nous avons obtenu de grandes contributions de différents pays, différentes régions, et nous espérons que le réseau politique continuera à travailler ces prochaines années, car vous le savez, chaque année, cela entre dans le cadre d'une décision du MAG pour savoir si ce travail continuera. Donc, on espère que ce réseau continuera à travailler, à débattre, car il est très important et qu'on continuera à pouvoir connecter toutes et tous de manière significative. Et l'année prochaine, l'une des choses les plus importantes sera que nous lancerons à nouveau cet appel pour des exemples de politiques de partout dans le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, on a entendu beaucoup d'intervenants qui parlaient des politiques gouvernementales ou nationales de subvention, d'incitation. Alors, que fait le gouvernement du Brésil qui s'est impliqué dans cela depuis de nombreuses années? Oui, alors je dois dire à l'audience que vous n'étiez pas au courant de cette question. Je vous remercie. Répondre à la question de l'écart numérique, c'est vraiment une priorité pour le Brésil. Notre régulateur fait un travail incroyable pour parvenir à l'accès universel de l'Internet et c'est donc une excellente opportunité que vous me donnez parce que 5 minutes après que nous finissions, après que nous finirons cette session ici, eh bien, commencera dans le Hall B, le Banquet Hall B, un travail sur les réseaux de communautés avec les personnes qui apportent les droits de l'homme. Alors, c'est très intéressant parce que ça nous donnera beaucoup d'exemples. Le défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui au Brésil est très lié à l'expansion de l'accès significatif. Donc, pas seulement en termes de fourniture d'infrastructures. Ça peut être un bon exemple avec les droits à la connectivité, donc des droits de première génération. Non, là, on parle plutôt de permettre un accès significatif qui permettra vraiment d'entrer dans le cœur d'un travail très précieux que fait le Policy Network. Alors, une chose très importante qui est faite ici avec l'IGF à Addis Abeba sur le sol africain, c'est que ça nous fournit également le sens de ce qu'est une connectivité significative liée aux écarts de données. Alors, j'aimerais saisir cette opportunité pour poser quelques questions aux membres du panel, notamment sur des données de la CNUSED liées au rapport sur l'économie numérique de 2021 qui a indiqué que les risques d'écart numérique pour les pays en développement était en position de simple fournisseur de données brutes. Alors, l'une des préoccupations qu'on pourrait avoir, c'est comment empêcher que cet
accès numérique n'agrandisse pas un modèle qui est déjà lié à l'économie de l'IG, de la gouvernance de l'Internet, qui, au lieu de promouvoir les droits de l'homme, eh bien, met à mal le libre arbitre dans le pouvoir et la dignité humaine. Alors, comment garantir dans les faits qu'on va au-delà de l'infrastructure, qu'on peut accéder à un modèle pour empêcher les problèmes que nous avons soulevés ici à Addis Abeba, à savoir le modèle du colonialisme digital ou de l'impérialisme digital dans lequel les humains eux-mêmes se tourneraient vers des chaînes d'approvisionnement mondiales. Je vous remercie. Eh bien, je vous remercie. Dès que le rapport sort, après, nous vous l'enverrons et nous vous demanderons ce que peut faire le gouvernement brésilien pour cela. Alors, merci beaucoup pour votre mot de prudence. Et en fait, nous passons maintenant à la dernière question qui porte sur l'inclusion digitale. Vous voyez que les barrières ne sont pas si solides. Hein. Dès que nous discutons, nous voyons ce qui se passe et nous avançons de manière un peu différente. Nous voyons qu'il y a des services et des produits qui sont faits dans les langues des gens qui vivent dans tel ou tel pays. Cela donne du contenu significatif, des services significatifs. Cela permet de les transformer de purs consommateurs en citoyens numériques. Alors, nous nous efforçons d'attirer l'attention de l'équipe et l'une des choses, l'un des exemples nous vient des informations et nous avons donc Chris qui va nous présenter brièvement ce cas. Eh bien, merci. Merci Giacomo. Merci à toutes et à tous. Ah, vous avez une présentation à ce que je vois? Très bien. Alors, en attendant, vous savez que l'une des conséquences de la numérisation, c'est que beaucoup de pays n'ont plus de journaux papier parce qu'ils n'ont plus de revenus pour subvenir à leurs besoins. Alors, il faut essayer de transformer ces problèmes en opportunités afin de garantir la pérennité des médias locaux. Est-ce que c'est correct? Est-ce que j'ai raison? Oui, c'est une excellente introduction. Merci beaucoup, Giacomo. Je m'appelle Chris Adjeki, je suis directeur de Ads for News. Je vais me lancer directement sur le modèle. Ads for News soutient les informations locales en leur fournissant des revenus de la publicité pour leur site Internet. Alors, il faut répondre pour cela à certaines conditions et c'est cela qui garantit la viabilité du modèle aujourd'hui. Premier problème, les informations locales sont inexistantes dans les dépenses de publicité numérique. Or, c'est très important pour les populations pour qu'elles puissent prendre des bonnes décisions quant à leur vie. Alors, on a entendu cette histoire déjà, on a déjà entendu cela de nombreuses fois. On veut éviter qu'il y ait donc cette dépense de publicité numérique, comme nous l'avons entendu. Tout cela étant dit, ce marché de la publicité en ligne est massif, c'est plus de 560 milliards de dollars en 2022 et ça continue de croître à près de 15% de croissance d'année en année. Donc on pense à ceux qui publient, aux spécialistes du développement des médias et bien entendu, aux sources de revenus, aux inscriptions, aux forfaits, aux revenus des consommateurs, aux revenus commerciaux et à toutes les sources de revenus. Mais c'est difficile d'ignorer que voilà, nous recommandons cela pour faire en sorte d'avoir des revenus programmatiques. Cela doit se faire en dehors des revenus donc des réseaux sociaux et récemment encore vous avez peut-être vu un article sur Twitter
et sur des marques mondiales qui se sont retirées de cette plateforme. Alors, dernière dynamique en date, c'est que les marques sont plus conscientes socialement et plus responsables socialement quant à leurs décisions sur toute la chaîne d'approvisionnement avec du, ça va du packaging du produit jusqu'à l'achat sur les médias. Alors, ces 18 derniers mois, on a fait des progrès à cet égard. Une grande partie, c'est de tirer parti des experts des médias locaux dans chaque pays où ceci est réalisé. Donc, nous sommes dans plus de 35 marchés. Nous avons une recherche en cours dans 12 marchés. D'ici la fin 2023, nous serons présents dans 60 marchés au niveau mondial. Clé au succès de tout cela, c'est bien sûr l'identification et d'entrer en partenariat avec le côté de la demande, les agences et les marques qui apportent une valeur à avoir un contenu de qualité et acheter plus éthiquement. Cette liste est petite, mais est en train d'augmenter. Le dernier résultat, c'est définancer les produits qui propagent des messages de haine et la désinformation. Un examen bout à bout de ce processus et les réflexions à son sujet. Premièrement, il faut dire que cela concerne l'inclusion. Nous essayons d'ouvrir la porte au plus grand nombre d'organes de presse que possible. C'est assez facile d'identifier les journalistes, les organes de presse qui gagnent des prix. Et c'est assez facile également d'identifier les mauvais acteurs, ceux qui font de très mauvaises choses. C'est en fait le milieu, les organes de presse qui ont 3-4 journalistes qui produisent des contenus originaux et qui offrent des services de valeur aux communautés qu'ils desservent. Nous voulons une surface, un espace pour les marques, les agences de presse mondiales. C'est ce groupe intermédiaire qui n'est pas sur le radar, qui n'est pas reconnu. Vous m'avez dit. Passez à votre conclusion, s'il vous plaît. Tout le processus fonctionne comme suit. Ceci, c'est un exemple en Indonésie. Nous avons eu un décaissement. Nous avons eu un total, pardon, de 20 000 sites. On a un algorithme qui a produit 1 200 sites et la liste d'organes de presse fiables d'un chiffre de 650. Et c'était les marques ciblées. Merci beaucoup. Ceci donne matière à réflexion. Ils peuvent faire allusion à ses amis à Blue Mountain. Je vais vous poser la question plus tard. Tout d'abord, je vais conclure avec la dernière oratrice. C'est une expérience semblable parce que nous parlons des médias et des médias pour les citoyens d'une certaine région. Exactement. Tout d'abord, je voudrais dire que nous avons des panélistes avec un bon équilibre entre les sexes. Je ne vais pas prendre les commentaires des qui m'ont précédé. Je vais parler de l'inclusivité et du caractère abordable des contenus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Habesha View, voilà ce que nous avons fait. Nous avons essayé de promouvoir les contenus créés localement dans leurs langues originales d'origine. En 2015, d'abord, nous avons créé une plateforme pour tout le monde où les gens sont capables de visionner au niveau mondial. Également, nous sommes intéressés à des contenus locaux. Nous avons tendance également à utiliser les langues d'origine de la création. Donc, il n'y a pas le transfert de culture pour les créateurs de contenu d'origine. On crée des plateformes pour les créateurs où qu'ils sont, pour qu'ils puissent monétiser. On a entendu tout à l'heure la difficulté d'obtenir des données.
Évidemment, je viens du secteur privé, donc mon point de vue est différent par rapport aux autres panélistes. Donc, en parlant des données spécifiquement ici en Afrique, ceci constitue une des barrières de l'accessibilité et de la portabilité. Les plateformes de diffusion directe comme les nôtres dépendent sur l'offre de contenu facile d'accès et abordable. Nous pouvons l'offrir gratuitement s'ils n'ont pas les données disponibles. Et s'ils n'ont pas les moyens de payer, ce sera difficile. Pour revenir à l'équilibre entre les sexes, encore une fois, quand nous parlons de l'Internet et de l'inclusivité, de l'accessibilité, c'est une bonne manière de tenir compte des deux sexes parce que 50% des femmes constituent la moitié, les femmes constituent 50% de la population. Celles qui travaillent de la maison auront accès à des contenus, des documents et des informations en utilisant Internet. Voilà un des points que je voudrais faire. Ensuite, comment le rendre pertinent, approprié à la personne qui regarde ce contenu, parce que cet aspect est très important. Nous savons tous combien dynamiques les grands diffuseurs en direct, les grandes entreprises qui viennent en Afrique, qui inondent le marché durant les dernières 5 années. On a vu les grands compagnies de production et les grands diffuseurs en direct qui viennent parce que le marché prochain, c'est l'Afrique. C'est un continent avec une très grande population où la classe moyenne augmente rapidement. Donc, il faut privilégier le contenu produit localement qui reflète la culture et la langue de ces pays. Il n'y a pas de problème à la création d'un contenu international. Ça montre comment vit le monde à l'extérieur, mais c'est question également de préserver les cultures de ces pays. C'est là où nous intéresse, nous intéressons aux langues, aux cultures qui sont honorées. Et parfois, on ajoute des sous-titres pour les rendre accessibles. L'industrie des arts, comme beaucoup d'entre vous le connaissent, fait face à des problèmes. Les arts et cultures ont des problèmes financiers pour avoir des productions. C'est très coûteux. Mais en monétisant ces contenus, on a pu permettre aux créateurs à continuer à raconter leurs histoires sans la restriction, soit de dépendre sur les grandes organisations qui dictent le nombre de contenus disponibles et ce qui est dit également. Je vais retourner à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis éthiopienne. Nous avons un bureau ici, donc en travaillant de la base, comment amener ce contenu au niveau international sans limiter leur capacité de raconter leur histoire de leur point de vue, plutôt que de l'adapter pour être adapté aux consommateurs internationaux. Donc en ce moment, nous travaillons dans la majorité des pays africains, en Éthiopie, nous utilisons toutes les langues, l'amharique étant la langue principale, nous avons l'oromia, le tigré, les gouragués, autres langues utilisées. Nous avons investi beaucoup pour avoir la traduction automatique, donc on peut l'utiliser en Afrique de l'Est, de l'Ouest et en Asie. Certaines des langues sont traduites automatiquement, d'autres le sont manuellement. On travaille avec les compagnies de télécommunications, c'est très important. Nous voulons avoir leurs données très peu coûteuses si on le souhaite et nous voulons que les créateurs de contenu puissent les utiliser. Nous voulons que cette plateforme soit une plateforme panafricaine dans l'avenir pour que tout le monde puisse l'utiliser et se servir des contenus. Merci. Nous voyons là beaucoup de synergies entre les plateformes. Si elles acceptent d'investir dans les contenus locaux et d'appuyer les créateurs locaux. Ceci viendra sous peu, dans une minute, Sonia. Vous avez suivi en silence et avec beaucoup d'enthousiasme ce qui a été dit, toutes les discussions jusque-là. Quelle est votre réaction d'abord? Avez-vous recueilli des réactions des participants en ligne? Merci, Giacomo. Aucune réaction ou pas encore de réaction des participants en ligne. Il faut dire que je suis très content d'entendre tous ces exemples des participants. Ceci témoigne du travail incroyable, en fait, et du travail qui a un impact réalisé dans le monde par différentes organisations, de celles à la base jusqu'au secteur privé.
C'est encourageant. Pour nous qui travaillons dans l'inclusion numérique, pour voir également combien reste encore à faire. En revanche, il y a eu un recul, une régression également récemment. Donc, en vous écoutant tous, j'ai vu, en voyant les possibilités, tous les cas non plus, je ne vais pas dire beaucoup de choses maintenant. Je veux entendre ce qu'ont à dire les panélistes. Donc, je vous demande de leur poser une question et de partager plus avec nous. Tout le monde apprend beaucoup, tout comme moi. Et je suis reconnaissant pour cela. Donc, je vous repasse la parole pour entendre plus ce que les panélistes ont à dire. Carlos Afonso a dit qu'il allait intervenir en ligne. Merci. Maintenant, la balle est maintenant de retour ici. Donc, voilà pour les panélistes, la deuxième liste des questions. Avec le privilège de l'âge, qui est le plus jeune parmi nous? Je m'écoute une fois, j'enlève mon casque. Je mets l'accent sur une chose que j'ai entendue plus d'une fois durant les différentes interventions aujourd'hui. Une concerne la prise d'action qui ont un effet propice. Qui accorde des capacités. C'est juste, c'est question plus de la langue, c'est question de contenu local qui est pertinent. Peut-être il y a des exemples un peu idiots. Si vous êtes en Nairobi, est-ce que vous cherchez un problème, une difficulté d'un plombeur, ce ne sera pas évident de trouver. Quelqu'un à New York. Donc, la question des langues locales, c'est question également des contenus locaux. Ceci entraîne une possibilité de politique intéressante. Au Canada, il existe des règles au sujet des contenus. Les contenus des secteurs de divertissement et quelle quantité de contenus non canadiens viennent dans le pays. La pratique, c'est de dire, même les grosses entreprises qui sont très pressées à atteindre l'audience africaine, une certaine fraction doit être d'origine mondiale et de pertinence, d'origine locale et de pertinence locale. Donc, il faut penser davantage au sujet de choix réglementaires qui autonomisent, qui rendent capacité. Les créateurs locaux utilisent des plateformes qui jouissent de capacités significatives. Je suis intéressé d'entendre cet accent mis sur la localisation. C'est question de rendre l'Internet significatif dans un contexte local. Merci, et ça vient de vous. Très bien. Nous avons du temps pour quelques questions. Nous commençons par monsieur de ce côté de la salle. Merci beaucoup, le jeune homme. Merci. Bureau Kyrgyzstan, j'apporte le point de vue des petits pays comme le Kyrgyzstan, dont la population est à la moitié des habitants de celui d'Addis Abeba. La langue kirghize est difficile. On ne s'est pas rendu compte de la grandeur du problème avant de commencer ce programme numérique avec le soutien de l'UE. C'était rempli un tiers, donc c'est deux tiers vides, cette boîte, parce qu'il n'y avait pas de contenu éducatif en kirghize. Qu'est-ce qui nous a aidé? Ce sont les matériaux de source libre produits au niveau du monde. Il y avait un référentiel de sciences, de biologie, de chimie traduit en langue kirghize. Nous pensions que ceci serait utile pour les enfants ruraux, mais c'était même utile pour les enseignants ruraux et pour les migrants kirghizes qui travaillent à l'étranger. C'était une grande découverte pour nous. Un autre exemple que nous avons utilisé, c'est la boîte à outils GSMA.
Ici, je voudrais souligner que les grandes organisations, lorsque vous produisez ces produits connaissances, elles sont très utiles. Merci pour cela. Si vous les rendez adaptables aux langues locales dès le début, ce serait encore plus utile. Merci. Je suppose que ce n'est pas une question, mais plutôt des exemples. Si vous les envoyez à nous, nous essaierons de les inclure, non pas peut-être dans ce rapport-ci, mais dans le prochain. Le monsieur à côté de la dame, qui m'appelle Raoul Plammer de Electronic Frontier Finlande. Nous sommes d'accord que la connexion du dernier kilomètre n'est pas le dernier élément. J'arrive à la même conclusion que le gouvernement doit accorder une exemption des taxes aux ISP pour une large de bande gratuite. Pour sortir des communautés, des réseaux de communautés, pour que ce soit Internet qui est la partie la plus intéressante d'Internet. Cette approche peut être populaire également auprès des hommes et des femmes politiques qui peuvent ouvrir Internet pour la région rurale, en fait, ce qu'on appelle le dernier kilomètre, la dernière partie. Donc, connecter les gens à l'Internet semble être une politique assez populaire. Voilà ma question. Les autres panélistes estiment-ils que ce large bande gratuit accordé par les ISP au réseau des communautés peut être réalisé? Avez-vous un exemple d'un endroit, d'un cas de réussite? Merci beaucoup. Merci aux panélistes. Vous avez mentionné la question du contenu local et l'importance d'avoir un contenu local et un contenu qui est pertinent. Vous pouvez avoir un accès significatif sans contenu local. Je ne sais pas combien d'organisations se trouvent dans ce bâtiment. Mais il y a également la question du coût et de l'accès aux appareils. Du point de vue de l'Afrique et des femmes rurales, du point de vue des femmes rurales, c'est très difficile pour avoir un téléphone portable. Quand vous avez un téléphone, vous pouvez télécharger, vous pouvez diffuser, utiliser des informations, avoir accès à des informations qui sont significatives. Y a-t-il des interventions portant sur le coût et l'accès des appareils? Dans la mesure que vous avez accès à Internet, si vous n'avez pas un appareil qui vous permettra d'y avoir accès, ça n'aura aucun sens. Donc, je suis du Zimbabwe. Merci, je m'appelle Al du Kenya, de l'Institut Hawkins. Durant la période laquelle j'étais ici, j'ai entendu qu'il y a beaucoup de travail réalisé par beaucoup d'organisations du secteur privé et de la société civile. Je voulais savoir, vu le fait que l'Internet ne parle pas la majorité de nos langues, y a-t-il une initiative que connaissent les panélistes qui rassemblent les différentes activités, initiatives des différents groupes? Pour faire pression pour un groupe de politique, de principe, une convention mondiale. Merci. Dernière question, ensuite nous retournons aux panélistes. Merci, merci Monsieur le Président. Je vais prendre la parole en français.
Bertrand, vous avez dernier mot à dire? Merci, Giacomo. Ma question s'adresse à Madame Kepede. Vous avez décrit votre modèle d'affaires comme donnant l'utilisation des contenus locaux en monétisant votre plateforme. Pouvez-vous parler de l'aspect d'abordabilité en ce qui concerne le côté de l'achat de vos services en Afrique? Merci. Beaucoup de questions ont été posées. Pouvez-vous parler au sujet de des réseaux de communautés? Oui. Si nous lions les réseaux de communautés, en particulier à la localisation et au contenu, il faut savoir qu'en Afrique, il y a des endroits que nous pouvons mentionner. Tekista a mentionné l'Amérique, le Swahili. Prenez l'Afrique de l'Ouest, le Fulani, qui a différents dialectes, le Mandinka, qui a différents dialectes, et ça continue, le Raoussa, de même. Et voulez faire la localisation avec une seule situation. Le meilleur exemple que je connais, c'est une organisation en Gambie qui a été incubée dans mon laboratoire, qui travaille sur la violence basée sur le genre. Ils enregistrent tous ces messages en langue locale et les envoient par messagerie WhatsApp dans les différents groupes WhatsApp, et les femmes s'en servent pour résoudre leurs problèmes différents. La question des langues, la réalité dans beaucoup de pays africains, c'est que nous devons adopter mieux l'anglais, le français, le portugais, l'arabe que nous avons hérité. Si cela ne peut pas être fait dans beaucoup de communautés rurales, nous manquons la meilleure option. Ce n'est pas comme en Afrique de l'Est, vous avez le Swahili, l'Amérique. Il faut savoir que la question des dialectes est importante. Google a voulu que nous fassions quelque chose avec le Raoussa pour traduire en 6 pays. Et vous ajoutez le Pula, nous avons 10 dialectes différents. Je vais m'arrêter là. Ça avait beaucoup de sens. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y avait le directeur adjoint de l'UNESCO qui parlait du travail qu'il faisait sur le multilinguisme Internet. Vous pouvez suivre ce qu'ils sont en train de faire. Il y avait des questions portant sur le genre, la dernière en français, que j'ai essayé de traduire. Il demande quel est le point de blocage majeur qui entrave, qui empêche la participation des femmes. S'il vous plaît, Margaret ou Monica, pour les réponses. Je peux commencer. En premier, c'est de mon expérience, il s'agit des contenus locaux. Lisez, un des panélistes en a parlé. Il y a trop de contenu ici. Nous parlons également du large pan jusqu'au niveau des villages. Les gens ont-ils le contenu approprié pour l'utiliser dans le cyberespace? Je m'occupe quand je retourne dans les régions rurales. Vous trouvez tous ces jeunes regroupés ensemble, ces jeunes femmes qui ont accès à des contenus, mais qui ne tiennent pas compte de leurs besoins socio-économiques. Donc encore une fois, il faut contextualiser ce que nous faisons. Aller à un village, à un pays particulier, voyez ce dont ils ont besoin pour leurs moyens de vie socio-économiques et ensuite nous adaptons. Pour l'M-Pesa, que vous soyez éduqué ou non au Kenya, tout le monde a l'M-Pesa, ils savent si le montant de la somme n'est pas correct, ainsi de suite, ça tient compte, ça répond à leurs besoins. Encore une fois, pour les femmes, il faut faire en sorte qu'on s'y intéresse. Pour les hygiènes, cyber au niveau des ménages, peut-être les femmes seront. Il y a la préoccupation que les femmes auront accès à des contenus qui ne sont pas appropriés. Donc, il y a également la question de l'hygiène cyber au niveau Internet, au niveau des ménages, pour que le contenu approprié est fourni. Merci. Votre réponse, Maria? Je pense que la question des coûts de l'abordabilité reste un problème. Il y a deux objectifs. Beaucoup de pays sur le continent dépensent
plus de 3% de leur revenu mensuel sur un gigabit. Donc l'abordabilité est un grand problème pour les femmes. Également, la question de l'accès, l'accessibilité et du coût abordable des appareils. Notre dernière recherche indique que dans quelques pays, c'est 30 à 40% des revenus mensuels moyens pour l'achat d'un petit appareil ménager. Il y a également la question de la violence faite aux femmes en ligne doit être abordée pour veiller à ce que les femmes soient sûres et ne pas associer le fait d'être en ligne à quelque chose de négatif. Non pas faire face à la violence en tant qu'un impact des jeunes femmes, mais c'est également la question des jeunes femmes qui vont quitter l'espace parce qu'il y a ce risque. Pour ne pas avoir l'impression que le monde est une jungle. Absolument raison. Y avait la dernière question sur les appareils. Il n'y a personne pour répondre. Vous voulez répondre? Je vais relever ce défi. L'abordabilité a été soulignée par tout le monde, ainsi que Chris qui nous suit en ligne. Je comprends tellement que la question de l'abordabilité constitue un critère, comme la dame ici l'a indiqué. Comment ces consommateurs ont accès à des appareils, c'est coûteux en Afrique, sans parler des nouvelles marques, dernier cri. De mon point de vue, on a essayé de travailler avec les compagnies de télécommunications qui ont été généreuses pour nous permettre d'avoir des appareils, pas de très haut niveau technologique, mais de niveau moyen, à être accessible à tout le monde, avec la collaboration des gouvernements, des compagnies de télécommunications, des fabricants, pour mettre à disposition des appareils. Quand je parle de contenu, je parle des divertissements, de l'éducation, des langues, des mathématiques, des contenus pour enfants, c'est toute une variété de contenus que nous offrons en tant qu'entreprise, de producteurs de tierces parties. Nous sommes au courant de la violence faite au genre, faite aux femmes ainsi qu'aux hommes, aux garçons. Si ce n'est pas conforme à notre plateforme, on émet un avertissement. Contenu. Donc ça, c'est pour répondre à la question d'accessibilité des appareils. Le fait d'être téléchargeable, le minage, l'extraction des données est un grand problème en Afrique. Je peux parler d'expérience. Dans certaines parties de l'Afrique, c'est acceptable que vous pouvez télécharger et partager ce contenu. C'est très difficile pour une entreprise comme la nôtre de produire ce contenu parce qu'au bout du compte, les créateurs doivent gagner de l'argent pour pouvoir créer, même pour subvenir aux besoins de leur famille. Donc, les compagnies de téléphonie ont des rôles importants. Je parle des compagnies de téléphonie en Afrique qui gagnent beaucoup d'argent, je ne suis pas la seule à le dire. Donc, ils ont les moyens, sûrement, pour permettre les données accessibles ou même zéro données pour les ménages qui en ont besoin. Il y avait la question des paiements abordables. Vous avez parlé de la présentation, de l'emballage. Nous sommes au courant. J'ai dit que je suis né ici. Je sais combien difficile cela est de venir en Éthiopie, comme dans le reste de l'Afrique. Comment avons-nous conçu notre système? Nous avons dépensé beaucoup d'argent sur la plateforme. Ce sont des investissements capitaux. On n'a pas les récupérés, mais on monétarise le contenu produit. Avec la publicité, avec les abonnements et même avec les contenus gratuits. Parce que certains des contenus éducatifs que nous avons sont gratuits parce que nous voulons que les pays aient accès. Donc, au bout du compte, les producteurs doivent être payés. Ils gagnent de l'argent, ils ont des familles à soutenir et personne n'offre cela gratuitement. J'espère que cela répond à votre question. Donc ça, c'est une bonne manière pour faire intervenir Chris. Ils veulent produire des informations, des nouvelles fiables. N'est-ce pas le cas, Chris? Vous avez quelque chose à ajouter? Si ce n'est pas le cas, si tel n'est pas le cas, je passe la parole à Carlo.
Carlos a dû nous quitter. Carlos, allez-y, de l'IPC. Merci beaucoup. Vous faites un commentaire sur l'idée de la réduction des taxes en échange de large bandes. Beaucoup de pays l'ont prouvé. Les larges bandes ont été subventionnées par les fonds d'accès universel à beaucoup de fournisseurs. Une chose que nous savons maintenant, c'est que cela ne marche pas, ne fonctionne pas. Beaucoup de ces projets, soit il n'y a plus les fonds, soit l'ISP n'a plus d'intérêt. Ça ne fonctionne pas très bien. Ce que j'encourageais, c'est aux décideurs de politique et aux régulateurs d'être un peu plus audacieux et de faire la promotion. L'IPC l'a reconnu dans beaucoup de forums, même durant le symposium mondial pour les régulateurs mentionné par Sonia, qu'il faut élargir l'écosystème des opérateurs. Il faut avoir plus de nouveaux opérateurs pour combler l'écart numérique, la fracture numérique, pour avoir accès à la région où il y a la grande majorité de la population et à la réduction des taxes. Donc, ces nouveaux acteurs, qu'ils soient à but non lucratif ou lucratif, que ce soit des réseaux communautaires ou quels qu'ils soient, il faut qu'ils soient plus nombreux pour couvrir les besoins de ceux qui sont desservis. Un rapport que nous avons soumis au Forum mondial des régulateurs, c'est pour élargir l'écosystème des acteurs pour fournir la connectivité dans les pays tels que le Brésil, l'Argentine, le Kenya. Cela a lieu, donc j'invite les décideurs de politique et les régulateurs à faire de même. Merci, Carlos. Il y avait une autre question, une autre demande d'intervention de Carlos. Est-ce qu'il peut se connecter à nous? Merci de demander, mais je vous rends la parole, mais je crois qu'on doit clôturer très bientôt. J'aimerais juste remercier les intervenants et intervenantes de mon côté ici en ligne. C'était vraiment très enrichissant de vous écouter toutes et tous, et j'espère que le rapport qui ressortira de cette session reflétera pas seulement ces cas, ces exemples incroyables, mais aussi les suggestions très intéressantes et les questions dont on nous a fait part. Alors, merci. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais vous demander de faire une courte synthèse. Tout d'abord, j'apprécie vraiment d'avoir cette opportunité très utile d'être ici pour écouter ces histoires très utiles et voir où sont les insuffisances. J'aimerais répondre sur la question du coût des appareils pour suggérer plusieurs possibilités, l'une d'entre elles étant qu'il faut que ce coût est lié à la conception. Autre possibilité, que ce soit lié au producteur local. Donc, il peut y avoir, vous voyez, plusieurs possibilités, eu égard au contenu et aux langues. Alors, je ne suis pas un expert de cela, mais j'ai appris grâce à Google et à la traduction automatique, c'est que quand on construit un très grand modèle de langue unique, on peut couvrir de multiples langues. On peut parfois traduire de manière réussie, même si on n'a pas des échantillons de paires ou de combinaisons de langues. Et donc, normalement, on pourrait penser que si on avait, je ne sais pas, des centaines de langues, eh bien, on aurait 100 langues et on aurait 100 fois des réseaux différents, des traductions différentes. Or, on voit qu'on arrive à traduire des langues d'une langue à une autre sans même avoir un échantillon de cette combinaison linguistique spécifique. Alors ça, c'est vraiment un point très excitant, très enthousiasmant. Dernier point que j'aimerais suggérer, ça va sembler un petit peu étrange ou marrant de la part de quelqu'un de Google, mais on a trouvé que la publicité entraîne beaucoup d'utilisation
les gens utilisent nos services en payant donc le prix de la pub. Il s'agit de rendre les choses plus abordables. Le point le plus important qui ressort de cette session, c'est de saisir ce qu'on a entendu et de le rendre disponible grâce au panel sur le leadership. C'est l'une des choses que je suis impatient de voir de votre part, c'est-à-dire les éclairages sur quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés partout dans le monde pour accéder à Internet. Donc, les éclairages que vous nous offrez nous fournissent des opportunités pour se faire une idée des pistes qui nous permettront de trouver des solutions. Et je crois que si la montagne ne va pas à Mohamed, c'est Mohamed qui devra aller à la montagne. Bon, je crois qu'en effet, ce sera plus facile de partir d'ici que de partir de la Mecque. Merci beaucoup et je crois que nous allons devoir clore cette séance et ce sera plus fructueux encore si chacun et chacune d'entre vous continue à faire part de, donc fait ses devoirs à la maison sur tout ce qui a été listé. Par exemple, Chris peut écrire à Google pour demander s'il pourrait faire de la pub pour les médias locaux ou dans le secteur du streaming. Donc, on a les gouvernements, les organisations internationales qui travaillent là-dessus. L'IGF, c'est un très beau forum et il ne faut pas le prendre pour acquis. Il faut écouter le message que Vint nous a il nous a promis d'envoyer un message au panel et donc j'espère que ce sera le cas. Alors je vous remercie pour votre patience, désolée de vous avoir retenu plus longtemps. Merci à Sonia d'avoir été avec nous, merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous en ligne et hors ligne. Merci.